Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Route 96, Road 96, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bonjour, ici Sonia Sanchez, bienvenue au Sonia Show. Nous venons d'apprendre qu'un nouvel attentat des brigades a manqué de prendre la vie d'une gardienne de la paix, Petriane. La victime encore traumatisée a refusé d'apparaître dans l'émission. Mais nous avons ici un de ses collègues qui pourrait lever le voile sur ce drame. Bonjour, Agent Short. Bienvenue. Bonjour, Sonia, et merci de m'avoir invité. Des informations sur l'état de santé de la victime? Oui, l'agent Campbell se porte mieux, beaucoup mieux. Elle devrait reprendre le service très bientôt. Une excellente nouvelle, donc, si j'ai bien compris. C'est un panneau publicitaire qui a manqué de broyer l'agent Campbell dans sa voiture. C'est bien ça, les brigands ont installé une bombe sur le panneau. Et il a tiré la pauvre Fanny Campbell. C'est terrible. Merci, agent Schwartz, pour votre présence à l'émission ainsi que votre dévouement. Et maintenant, jetons un œil au dernier sondage. On dirait que Tarek demeure un grand favori. Chers citoyens, c'est le moment de voter Tarek. C'est toute notre démocratie qui est en jeu. Comme vous le savez, le Sonia Show porte une grande attention aux jeunes Petriens qui persistent à disparaître mystérieusement. Jetons un œil aux derniers avis de recherche. Appelez-vous, contactez l'émission si vous avez le moindre renseignement. As-tu testé Papa Pig et les Pat Patrouilles? Ah ouais. C'est la journée où je vais casser ma Xbox. Juillet 1996. Fête. Prends ton temps, tu le peux. Need for dating the run. Ça a l'air bizarre ce jeu. Ça, c'est un bon. Oh! Shit, le taxi. On sait que c'est un tueur qui conduit le taxi. C'est une histoire surtout, ouais. Tu as fini par revenir, hein? Tu veux dire? Donnez mon argent. Je veux pas d'argent des brigades. Comment ça, des brigades? C'est moi qui parle, c'est compris? Je savais que tu repasserais par ton van. C'est pas mon van. Non, mais tu viens parfois avec des petits copains de brigade. Je suis pas dans les brigades, juré. Qu'est-ce que j'ai dit? Maintenant, tu me trouves un feu dans ton van pourri.
Ouais, tiens. Tu as trouvé vite, hein? Je savais bien que c'était en vanne. Maintenant, on va jouer à un petit jeu. Chaud-froid, ça s'appelle. J'ai joué avec ma fille. 1, 2, 3, c'est parti. Et mes gars seraient fiers de toi. Et à présent, j'ai une petite surprise pour toi. Tu aimes? Des surprises, j'espère, t'aimes ça? Prends le Jerry Scan. Maintenant, vide moi cette essence à l'intérieur du van. Mets-en partout. On va la regarder brûler. En fait, ce n'était pas la surprise, pas exactement. Je comprends pas. Tu n'as toujours pas deviné la surprise? Alors, c'est une bonne surprise. La surprise, c'est que tu vas regarder brûler de l'intérieur. Je ne suis pas un membre de la brigade. Peut-être pas, mais pourquoi je prendrais ce risque? J'ai rien à personne brûlé, non, c'est trop tard pour ça. Vous avez une fille, non? Et vous devez être un bon père, je parie. Vous en plus, tu essaies de gagner du temps? Non. Non, ça m'intéresse. Va-t'en. Mais dis à tes copains des brigades qu'ils vont payer. Pour ce qu'ils ont fait à Lola. Va-t'en. Dis-leur, n'oublie pas. D'abord, Nike, psychopathe de Carlis. $2,500, ouais, c'est ça. Non, là, c'est un concept que j'ai essayé, là. On voit que le temps, ça paye. Non. L'argent ici, là. C'est écrit dans les règlements, là, si tu vas voir. Non, il a gagné pour vrai, 5, sous certaines conditions. C'est marqué dans le profil, si vous allez voir. Ah, il est là, lui. Salut, frérot, salut. Tu te demandes ce que je fais? Je suis en train de pirater le Super Burger pour faire livrer un burger gratuit à tous les pétriants. Faut bien que ce porc capitaliste laisse se ruisseler. Et toi, tu fais quoi? Ah non, c'est pas des faux. J'ai pris la peine de sortir ça à la banque. Je vais vers la 96. Un burger, bien frérot. Toi, t'es le croc, ça fait un moment, hein. Tu zones. Bon, ben c'est pas pour
C'est pas tout ça, mais j'ai une méga chaîne de fast-food à pirater. Tiens, il y a un vieux cousin derrière toi si tu veux faire la sieste. Un vieux cousin ou un vieux cousin? Ah, aveugle. Tu penses quoi des brigades? Il y a de plus en plus de manifs. Ils se battent pour leurs idéaux, je respecte ça. Des gens disent qu'ils ont provoqué l'effondrement du pic, mais je crois que c'est un mythe. T'en penses quoi? C'est trop extrémiste pour moi. Parfois l'extrémisme a du bon, au hasard quand tu vis dans une dictature. Monsieur Alex, t'es là? Je suis là. C'est trop cool ton ordi. Il y a une antenne intégrée. Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai construit. On peut parler, Alex? Pas de danger, Monsieur Ursus, comme d'hab. Ah, c'est à lui qui parlait quand il fait le taxe. C'est dans l'émission, c'est dans le 2. C'était pas là quand j'ai fait ça. Monsieur Ursus? C'est un poteau. Je l'ai, lui et son... club et en échange, il me file des infos. Quel genre d'infos? Des infos sur mes parents biologiques. Eux aussi, ils étaient dans le club. Je vais allumer le tu sais quoi. Et j'ai besoin de savoir s'il y a des tu sais quoi dans le coin. C'est sympa de l'aider. Écoute, je vais t'expliquer. C'est peut-être un pas très malin, mais t'as l'air sûr comme mec. Monsieur Ursus est un émetteur radio clandestin et il veut que je lui donne l'emplacement des patrouilles. J'ai entendu, Alex. Ça a l'air risqué. Seulement si t'es mauvais. Désolé, monsieur. Je peux pas t'aider aujourd'hui. Je suis trop occupé à faire pleuvoir les steaks. Moi, je peux aider, mais inquiète pas parce que... J'ai mon frère à côté qui peut faire le taf. Détends-toi, mais c'est super sain. Même un adulte y arriverait. Vas-y, allume le scanner radio. Fait rien. Petit boy, je vais zapper les piles, tiens. Maintenant, on va vérifier les amplis. Pour deux ans, je dis oui, mais le monde de... savent qu'on vit de leur payer une carte Google pour tout ça.
Nickel, il y a une grosse zone à couvrir alors, tu vas tout désactiver. Qu'est-ce que on veut? On est prêt à scanner. Tourne la molette jusqu'à capter quelque chose. Monsieur Yu, c'est un deal à la base. Ouais, à ce propos. Quoi? Je t'en reparlerai bientôt. Unité 8, vous me recevez à vous? Unité 8, en planque devant la station de service. Toujours rien signalé à vous? Continuez à ouvrir l'œil. Vous avez assez de beignets à vous? Tu peux y aller. Monsieur Yu change tout le temps l'endroit pour diffuser sa petite émission. Tu devrais attendre sa voix de radio, ça me tue à chaque fois. Merci à le frérot d'Alex. Et Alex, tu vas appeler ta mère, hein? Je suis sûr que tu lui manques. Ouais, ouais. Merci, frérot. Tiens, ça c'est pour ton aide. Merci. Et maintenant, c'était caché pour tout le monde. Ah non, mon virus est déjà down. Ça fait quand même 357 personnes qui auront leur burger cadeau. Pas dégueu. On arrive à l'arrêt. Garde la pêche, frérot, et bonne chance sur la route. J'aurais pu débarquer avec lui, mais non. Juillet 96. Bon, les policiers, faut peut-être pas que je leur parle. Ah, l'attaché là, y'a. Hey, toi, par ici. Viens m'aider. Ça va? Faut pas qu'ils te voient. Qui? Les flics. Ils me ramènent de tu sais où. Non, je sais pas où. La fosse de fer, là, au tir qu'on voit les fugueurs. Ils les torturent les ados et leur lavent le cerveau. J'ai tout vu. Qu'est-ce que je peux faire? Chope les clés du fourgon. Il faudrait que tu arrives à distraire les flics avant. Je viens me voir après. Thank you.
D'après moi, il faudrait commencer par siphonner l'essence. Allumer un feu plus tard. Es-tu déjà tanné de jouer à ce jeu-là, toi, Seigneur? Tu sais combien de fois j'ai dû appeler le dépanneur cette année, je ne sais pas combien. Trois fois. Non, quatre. Tu te rends compte un peu? Quatre. Ah, acheter de l'essence pour mettre le feu. Qu'est-ce que tu veux? Hey, salut! Vous partez à ma fête? Certainement pas! Pourquoi tu m'as fait ça? Si on pouvait se débarrasser d'eux d'une fois pour toutes. Ah, mais c'est gentil. J'ai 18$, manque pas ton coup. Faut pas avaler. Comment je pourrais couper les fils, ça? Quelqu'un me reçoit? C'est passé où le morveux? Il ne peut pas être loin.
I'll check behind the station. You got the keys. The keys for the handcuffs. They should be inside. Come on! Get ready to run! Putain, j'aurais dû mettre le feu! C'est ma faute! C'est ma faute, il fallait que je mette le feu aussi! C'est pas, s'il te plaît, c'est pas ma faute. Ils vont me ramener à mon père. Moi, en cellule, et puis... Calique, c'est ma faute, j'aurais dû... Je vais demander à mon père de te sauver. Je dirais que je sais pas trop ce que je vais lui dire. Tu feras rien. Écoute, peut-être que tu devrais te reposer. C'est trop vite, fallait que je mette le feu aussi. Merci, allez, c'est de dormir. Quand tu te réveilleras, j'aurai une solution. Ah, je suis con. Je mettais le feu, je l'avais. T'entends? Ils se sont enfuis, mais ils vont revenir avec tout. Donc, heureusement qu'on a capté leur fréquence. Ouvre le fourgon, la fille doit être dedans. Oh. Pitié, ne faites pas de mal. Il y a un autre jeune avec elle. Vous êtes qui? Moi, t'en sais, mieux c'est. Tu peux partir? Toi, oui. Et toi, Zoé, tu viens avec nous. Hein, comment vous connaissez mon nom? C'est mon père qui vous envoie? Sûrement pas, non. On vous expliquera plus tard, mais là, c'est le moment de vous dire au revoir. T'as risqué ta vie pour moi. T'aurais fait la même chose, non? Ouais, peut-être. Mais oui. Faut y aller, Zoé. J'espère qu'on va se voir. Au revoir, Zoé. J'aurais aimé acheter les allumettes, j'aurais aimé le feu, là. Il était trop concentré à brûler les affaires. Video Killer de Radio Star. Mais peut-être ça n'aurait rien changé non plus. Bon, on est tous d'accord sur le plan? Oui. Oui, on est prêt. Hey, les gars, c'est moi ou ce gamin nous espionne? Où est-il,
Qu'est-ce qu'il est, Sonia? C'est presque l'heure. Aucune idée, je l'ai peut-être insulté une fois de trop. Trouvez-moi un caméraman rapido. Tu sais à quel point ça compte pour nous. Il est où? Je suis censé trouver un... Hey, toi! Oui. C'est ton jour de chance, Sonia. Du boulot pour toi. Je vais passer un peu d'argent, alors ce sera mon nouveau caméraman. Pas derrière la caméra, on va faire un putain de malheur. C'est juste un petit reportage, rien de difficile. Il y aurait juste une minute. C'est la question à me poser. Genre sur les sujets d'actualité. Une question, ouais. Vous aimez les Brigades des Noirs? On a quand même tué des centaines de 1986. Vous avez raison. J'ai toujours raison. On va commencer par l'intro. T'as pas mal là, c'est le panneau derrière moi. Je suis comment? Non. Magnifique. Voilà, comme ça. Ouais. Ici Sonia en direct de la toute nouvelle pompe de pétrole Petria. Sur le point de faire son élocution, cette pompe gracieusement offerte par le président Thierak ne tardera pas à enrichir notre fructueuse nation. Et coupé! Putain, on a tout défoncé! Je vois que j'aime bien ce job, tant mieux parce qu'on a encore du boulot, mais tiens. Pense là avant tout. Bienvenue, Gas Mars, Popessi, what's up les amis? C'est votre jour de chance, tous les jets de dés en 15% de chance de réussite. Ah oh, ben yeah, je suis orgasme. Ah, ça brille. Je savais que ça te plairait. C'est un porte-bonheur, ça m'a aidé. Ça t'aidera peut-être toi aussi. Ok, très bien. Maintenant, tu filmes le ministre. Fais en sorte que la foule applaudisse quand il parle de Tyra. Et qu'elle lui quand il parle de Flores. Pigé? Pas de soucis. C'est ce que j'entends, mon petit choupi. Ça y est, il monte sur l'estrade. Bonjour chers citoyens, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour une inauguration. Bon, n'oublie pas les gros plans. Comme notre président. Oui, en parlant de lui, le tonnerre. Bien joué, Bichon. Flores pense qu'il faut aborder le pétrole. Mais qu'est-ce que vous travaillez de Petra pense de Lupe Flores? Super chouchou, continue. Les rumeurs courent sur le possible révolte des Brigades Noires. Mais est-ce que j'ai peur? Non! J'ai même laissé ma fille s'embarquer sur les road trips. Oh, c'est parce que le président Tyrak veille sur nous tous. Gloire au président Tyrak! Oh bien. Et c'est pourquoi vous avez voté pour... Tyrak est un menteur, les ados sont prisonniers. Vote Flores, sauvez notre pays. Arrêtez-les. On ne fait pas ce genre de choses chez nous. Bon, c'est l'heure de retourner à l'animo. Comme toutes les journalistes à la fin de son reportage. Exactement. Écoute, pour résumer, t'as pas été trop mauvais pour l'intro.
Génial. Ta mère a serré tout le long. Tu vas t'acheter un nouveau style. On dirait que c'est l'heure d'y aller, Briquet. Adam en voiture. Rien échapper aux autres. Je trotte pas trop le taxi. Ah ouais, y a personne qui arrête. Tu marchais? Ouf, comment, Gilles? Route 96. T'as mis le papier des véhicules. Bien sûr, une minute. Ah, c'est là, ça. Est-ce que vous... un ami qui habite là-bas, c'est tout, rien d'illégal. Je vois. Chose que je vois pas là. Je pense que c'est là où je vois.
Bah, je vois rien. Je vois rien en toi. Ok, ça marche pas. Je pensais peut-être que c'était ça, mais c'est pas ça en tout. Bon, qu'est-ce que j'ai pas vu? Alka Araska, what's up? Elle me saute dans la face.
Bon, dernière étape, avant de souper. And drinks? Can I help you at all? What are you doing here alone? Qu'est-ce que tu fais là? Me balade. Fais bien gaffe à toi, hein. C'est quand vous traversez. Attendez-moi une occasion pour nous arrêter. Pardon, je savais pas. Bien sûr. Tu vois le sentier à gauche? Passe par là et tu trouveras des gens pour t'aider. Tu auras besoin d'argent. J'espère que tu vas pouvoir t'en sortir. Croise les doigts. Je veux passer la frontière. Alors, je peux peut-être t'aider, j'ai bien dit peut-être. Mais c'est pas dans mes habitudes. Ralentis surtout pas. Avant d'aller plus loin, je vais avoir besoin de ce poste d'or. On a parlé. Voilà, bien. On a de la route. T'aider, je sais traverser, mais j'ai rien. Je vois rien en noir. J'ai de l'argent. Venez-vous? On va plus que ça, gamin. Viens, faut pas arrêter. J'ai pas d'argent. J'aurais pas acheté à manger, j'en avais assez. Attends, la lumière, ça doit être un garde que je connais, bouge pas. C'est lui, mais il va vouloir plus. Je le connais. J'ai pas assez. L'argent où je me tire. J'ai plus rien. Bonne chance, le gars. Bye bye. Charré. Oh, ça pue, ça.
C'est de l'argent. Tu veux en négocier maintenant? T'as peur? C'est rien. Pitié, pas moyen. J'espère que ça va donner une bonne chaussure. Enfin, je mentais. J'ai manqué. Personne n'a jamais dit de rejoindre la frontière, c'était facile. Alors, c'est passé. Pour un voyage qui se termine, d'autres ne font que commencer. Bon, c'est chier. Tout ça parce qu'il manquait de l'argent. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Road 96, live sur la chaîne du Caribou. Canadien. Oh yeah.